Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle manière vous êtes devenu, en avril 43, je crois, le délégué militaire départemental et quelle a été votre action à partir de cette date? Eh bien, après les événements d'avril à Carré-les-Tombes, je me suis trouvé coupé de la direction de Paris et avec Camille et un ami que nous avions pris avec nous parce qu'il avait déjà essayé d'échapper au service du travail obligatoire, le STO, nous avons décidé, en nous implantant à nouveau dans Lyon, dans la Nièvre, nous avons décidé d'essayer de prendre des contacts à nouveau par l'intermédiaire de la résistance locale. J'ai donc pris des contacts avec d'abord les gens de l'Orme, qui eux m'ont permis d'avoir des attaches avec Nevers, et c'est ainsi que je suis tombé sur les diverses organisations, l'OCM, l'organisation civile et militaire, Libé Nord, qui était très active, Libération Vengeance. Petit à petit, j'avais des rendez-vous et j'étais non seulement en mesure de reprendre une fonction, mais j'étais connu, je me faisais connaître de cette façon-là. J'ai pu connaître donc le représentant départemental de tous ces mouvements qui avait été nommé au cours d'une réunion qui s'appelait à l'époque le colonel Moreau. De son vrai nom, il s'appelait Roche, mais il avait un surnom, il s'appelait le colonel Moreau pour la résistance. Et ainsi connu, j'ai eu au mois de novembre 43 un contact avec la direction du service national des maquis qui m'a demandé de venir à Paris si j'étais d'accord pour prendre la responsabilité des différents maquis qui pourraient être organisés dans le département de la Nièvre. Je suis donc allé à Paris, j'ai été reçu au square Montholon par Chevrier qui était le responsable en second du service national maquis, et il m'a donné, avec des instructions, il m'a donné un tout petit viatique pour me permettre d'aider à la formation des maquis. Alors que de quoi s'agissait-il? Il fallait, avec les contacts que j'avais pu prendre avec les résistants, de repérer les jeunes qui risquaient d'aller au STO ou qui s'étaient déjà échappés des grandes villes et qui étaient venus dans la région, de les enrôler, de les faire vivre et aussi de leur donner une instruction militaire qu'ils n'avaient pas puisqu'aucun n'avait fait leur service. J'ai donc commencé mes prospections et le maquis Camille, qui ne s'appelait pas Camille à l'époque, on ne disait même pas le maquis, on dit c'était nous quoi, c'était. Et nous avons commencé à étoffer avec tous les STO qui nous arrivaient un maquis qui est venu à côté de celui qui avait été monté à Montsauche par un ancien gendarme qui s'appelait Aubin, mais qui avait pris le surnom de La Fleur, et qui lui-même a fait la même chose, a rassemblé des STO et commencé un maquis. Alors, en 43, c'était assez difficile, mais nous vivions parmi la population, et le rêve, c'était ça, vivre dans les bois, ne pas rester la nuit dans les maisons, aider les paysans, parce qu'il faut bien se rendre compte, c'était une époque où les mâles n'existaient plus, il n'y avait plus que les vieillards, les femmes et les adolescents, dont les plus grands étaient menacés par le STO, et par conséquent, les travaux des champs étaient très difficiles, donc nous devions rendre service. Et cependant, rester absolument autonome, il fallait donner des chefs, il fallait donner des consignes, et c'est ainsi que j'ai parcouru le département, que j'ai pu, avec un ami qui s'appelait Moreau, et qu'on appelait le Loup, parce qu'il s'était installé dans un coin dit le coin du Loup, et il a monté un maquis sur Clamcy, et c'est ainsi que petit à petit, de Clamcy à Saint-Sauge, de Saint-Sauge à Decize, de Decize à Entrain, et jusque du côté de l'usine, les maquis se sont montés, et au moment
où le débarquement a eu lieu, il y avait à peu près une vingtaine de maquis qui commençaient déjà à avoir formé un petit noyau que l'on ne pouvait pas développer parce que nous n'avions pas assez de parachutage d'armes et on ne pouvait vivre que des armes récupérées. Alors, nous savions que dès que nous aurions des armes, nous pourrions avoir des contingents de jeunes gens beaucoup plus nombreux. Et quand le débarquement a eu lieu, effectivement, on a vu arriver au maquis de plus en plus de jeunes et même des personnes âgées qui se sont trouvées impliquées ou qui voulaient faire du service. Et c'est comme ça qu'en septembre, au moment où nous avions libéré pratiquement toute la Nièvre, on pouvait compter dans tout le département environ 10 000 hommes qui étaient installés dans une vingtaine de maquis. Alors il y a peut-être une petite difficulté chez nous parce que le Morvan n'est pas seulement dans la Nièvre, il a la grosse partie de la Nièvre, mais il avait une partie importante aussi dans la Côte d'Or, dans l'Yonne et en Saône-et-Loire, ce qui fait qu'il y avait des maquis qui échappaient à ma juridiction, mais que je connaissais parce que j'en connaissais les chefs, puisque nous avions des liaisons entre nous. Alors si on tient compte du Morvan, à la fois dans ses parties non nivernaises et du Nivernais en entier, nous dépassions largement les 10 000 hommes. Et ma tâche a donc été de les créer, de les faire vivre et également de les entraîner, de les faire entraîner et de les aider au moment où il y avait des combats parce que nous avons été partout harcelés depuis février jusqu'en septembre. Nous avons eu des contacts et des attaques par les Allemands, attaques qui en général se sont soldés par un échec pour les Allemands, mais qui nous a quand même coûté quelques centaines de morts. Il faut considérer que nous avons eu un peu plus de 400 morts au maquis. D'accord. Voilà quel était mon rôle. On va continuer. Et que j'ai tenu dans l'état-major départemental que le colonel Roche dirigeait. Alors, est-ce que vous pourriez nous préciser également le pourquoi de l'intégration de Jarry dans le maquis Camille, justement par rapport à ce problème de l'organisation militaire des maquis? Voilà. Étant donné que j'étais dans une structure nationale, le service national maquis, qui avait un responsable national, un responsable régional, un responsable départemental, qui pour la Nièvre était moi, et qu'à côté il y avait toute la ligne des délégués militaires qui représentaient De Gaulle, il est évident qu'il y avait des contacts horizontaux. Moi je connaissais par exemple tous ceux qui étaient militaires, le colonel Roche qui avait sur lui-même son chef régional, qui avait son chef national, nous nous connaissions au moins horizontalement. Or Jarry, et avant lui Bouloche, puisque Bouloche a été le premier DMR de la région, Bouloche avait demandé de prendre contact avec moi et j'avais une réunion avec lui au mois de janvier 1944 et lorsque le contact a pu se faire, Bouloche avait été arrêté et j'ai fait chou blanc, je n'ai pas vu Bouloche, mais Bouloche avait indiqué à Jarry, puisqu'ils travaillaient ensemble, il avait indiqué à Jarry que le point de chute était chez Longhi, enfin chez Grandjean, puisque j'avais comme surnom Grandjean, pour tout le département de la Nièvre. Et c'est ainsi que, au mois de mai, j'ai vu arriver Jarry avec le représentant régional de Foé, qui était mon chef direct régional. Je les ai vus arriver chez moi. Et là, nous avons pris contact et je lui ai montré les maquis qui existaient, et notamment le maquis Camille. Et il a trouvé que le maquis Camille était bien dirigé, que ça marchait bien. Et il a dit en conséquence, le jour du débarquement, avec toute
mon état-major, je viendrai m'installer ici, préparez-moi quelque chose. Et c'est ainsi que nous avions préparé, dans un coin de Brassy qui s'appelle la Chaume aux Veaux, nous avions préparé une maison bourgeoise qu'on appelle le château, et nous avons cessé toutes les actions militaires dans ce coin-là pour ne pas amener les Allemands dans ce coin-là. Le jour du débarquement, on a vu arriver le soir Jarry avec ses équipes, le service du chiffre, plus les saboteurs qu'il avait, enfin presque une trentaine de personnes qui se sont installées dans le château qui était tout près. Et Jarry avait donc son état-major sur place. Or, il s'est trouvé que par suite d'un engagement assez sévère qui a eu lieu le 12 juin à Lormes, il ne pouvait plus rester à Brassy parce qu'il ne pouvait pas assurer sa défense. Et je lui avais proposé de rejoindre les bois chez Camille. Par conséquent, Jarry s'est retrouvé avec tout son personnel, radio, chiffres et tout ça, et saboteur, s'est trouvé dans les maquis de Vermeaux avec Camille. Et il est resté là jusqu'au moment où, après les combats, nous avons été amenés à installer les états-majors ici. Et entre-temps, nous avions reçu le colonel anglais Hutchinson, qui, avec son homologue français, le colonel Viat, qui avait à l'époque un surnom, il s'appelait Diagramme, alors qu'on appelait le colonel Hutchinson Télémètre. Hein, c'était son pseudo. Et alors, nous avons reçu donc le colonel Hutchinson qui a vécu avec nous et avec Jarry, là jusqu'au moment où nous avons décidé, à la demande du colonel Hutchinson, de rejoindre l'état-major central du département que Moreau avait fixé à Ouroux, dans les bois de Queuzon. Et alors à ce moment-là, tout l'état-major s'est déplacé là-bas, mais on était déjà au mois de fin août, quoi. Or, ici, la libération a eu lieu le 9 septembre. Par conséquent, nous avons eu relativement peu de temps de séjour du côté d'Ouroux.